sorti du droit de Gatineau. Je parle de la ville et non du groupe. Il a sorti son premier album en 2013 et depuis, il a accumulé les bons coups. Quatrième meilleur slammer au monde. Meilleur slammer du Québec. Featuring Workshack, publication d'un livre sérieux et illustré. Il arrive tout juste d'une tournée au Vietnam et au Kosovo. Puis c'est pas des jokes où sa poésie a semé la consternation. Il est le Émile Milligan du Vieux Hall, le Jamel Debbouze de Rosemont, B-Boys and B-Girls, accueillez Détrac! Yes! Yes! Vraiment content d'avoir Détrac comme premier invité sur le corner. Détrac, c'est un MC qui roule sa bosse depuis une couple d'années au Québec et très productif, un challenger hors pair au End of the Week. Ça, il faut le dire. Et tu reviens d'une tournée. Et qu'est-ce que tu as été faire autour du monde? En gros, je suis allé faire des shows. J'ai fait une tournée en Asie du Sud-Est, au Vietnam, Cambodge, Laos. Et après ça, je suis revenu deux jours ici et j'ai fait une tournée en Europe de l'Est, au Monténégro, Serbie, Croatie. Et j'ai terminé au Kosovo. Donc, tout le mois de mars, j'étais un petit peu partout à travers le monde en train de faire des shows. Et puis là, je suis ici avec vous autres parce que je vous aime. Puis je représente. Hein? J'ai sorti un album avec Coyote Records, compagnie de disques. Et avant, j'ai sorti genre 3-4 mixtapes slash autoprod. Là. Je sais pas si on appelle ça des mixtapes, mais j'ai fait les beats, j'ai fait les enregistrer, travailler beaucoup avec DJ Org. J'ai fait un album duo avec mon pote Calibre qui est en arrière. Shout out à Calibre aussi. Donc ça remonte à loin vraiment mes premiers albums, mais on peut dire mon premier album dans l'industrie en guillemets, c'était en 2013. Donc c'est ça. Abri Tempo. Tu reviens du Vietnam, où est-ce que tu as performé là-bas? Puis en fait, quand là-bas, là, tu sais, pas dans tes shows ou dans tes tournées, mais juste quand tu te promenais dans le street, là, tu sais, street walking, Vietnam, te trouvais-tu grand? C'est tellement la pire question ever, DJ Org. Parenthèse, j'étais en fait dans la moyenne, donc pour moi c'était un plaisir. J'étais dans la moyenne, mais disons que j'étais un sexe symbole là-bas quand je vais là-bas. Donc, mais je suis déjà marié. Puis c'est ça. En passant, je veux mon vidéo de mariage, DJ Org. Tu sais quoi je parle, là, mais en tout cas, fait, je voulais m'en mentionner. Mais ceci dit, non, c'est ça. Ouais. Aboriginal. Parce qu'on sait, ton prochain album s'en vient, toujours chez Coyote Records. Ça s'appelle Message Texte à Nelligan. Je trouvais ça comme waouh, c'est vraiment poétique. Mais en fait, quand il t'a répondu, fais-tu des fautes dans ses textos, Nelligan? Du haut des cieux, il y a l'autocorrecteur, fait qu'il corrige bien ses choses. Donc avec Nelligan, on se trompe pas. Et puis donc c'est ça, je suis en discussion avec toutes sortes de morts comme ça ici dans mes compositions là. Ouais. Oh, j'ai vu ton dernier vidéo, je sais pas si c'est le dernier, il y a Yougoslav. J'ai du Yougoslav pour la Croatie. J'ai du Yougoslav pour les gens de la Serbie. J'ai du Yougoslav pour les gens de la Bosnie, du gros Yougoslav pour le Monténégro aussi. Vraiment sick. Avant ça, mon fils, peux-tu parler un peu de ces deux vidéos-là et les concepts derrière la vidéo? J'ai un fils qui se lève le matin la tête lourde et lance, qui tombe en amour avec des pétards. C'est Lance qui joue à des jeux vidéo remplis de violence, qui arrive assez courant temps parce que fumer un pétard. Donc Yougoslav, c'est une vidéo que j'ai tournée justement en Europe de l'Est. Donc moi je suis allé là-bas avec ma caméra à moi et puis j'ai filmé des rues, j'ai filmé des endroits et puis moi avant de partir, je me suis enregistré une toune puis juste le jeu de mots Yougoslav me venait en tête. Fait que je me suis dit merde, je vais faire un track avec ça, fait que j'ai samplé Goran Bregovic, Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić. Donc c'est ça. Donc ça c'est Yougoslav et puis vous pouvez le voir sur YouTube, sur ma page Facebook. Puis avant ça j'ai un fils. Donc ça a été tourné en Haïti. On est allé faire un tour en Haïti pour 5 jours. Donc Haïti bon bagay, bon bagay. Voilà. Sac à fête, sac à fête. Monsieur. Chichou chichou quoi ça? Matigra. Chien. Vacabon. Démasque au devant.
On est allé tourner là-bas et puis le concept en fait c'était au lieu de tourner au Québec avec une famille de québécoises typiques, on s'est dit crime, pourquoi pas prendre une famille en Haïti, tu vois. Fait qu'on a pris des acteurs là-bas, on a tourné là-bas le concept. Donc j'ai un fils, on l'a pris vraiment avec un paysage haïtien, tu vois. Puis j'ai découvert un super beau pays, puis j'aimerais ça y retourner définitivement. Tu voudrais retourner ou vivre là-bas? Merci à vous. J'y retournerai. Peut-être pas que je vivrai là-bas. Je suis trop attaché à où est-ce que j'habite ici dans le nord, mais j'y retournerai définitivement. Il fait pas mal plus chaud qu'ici, puis il y a des beaux coins. Parle-nous de ton parcours de slammer, man. Apparemment, t'es le quatrième au monde, genre, à tuer le slam. Qu'on te voit au End of the Week, ton rap, il est slamish. Je sais pas si ça se dit, mais... D'où vient cette inspiration-là? En fait, c'est parce que j'ai habité en Outaouais pendant un bout, puis à un moment donné, il y avait pas beaucoup de scènes de hip-hop, et puis il y avait la scène de slam qui a commencé, et puis moi, c'était juste comme par défi, vraiment, quelqu'un m'a dit « Ah, viens participer », puis j'ai commencé à m'inscrire, puis petit peu par petit peu, j'ai aimé le concept, donc juste faire des textes en a cappella, fait qu'à un moment donné, je me suis dit « Crime ». C'était pas pire, mais j'avais pas trop de succès en juste faisant mes raps en acapella. Il manquait une coche, tu vois. Fait que j'ai commencé à écrire plus en style monologue. Et j'ai vraiment pour l'exercice de style. Puis après 6 années de participation, en 2013, j'ai gagné le titre champion québécois de slam. Donc ça m'a emmené à Paris en 2014. Et puis à la Coupe mondiale, j'ai terminé quatrième. Fait que j'aimerais ça que tu me fasses ton slam qui s'appelle Islam. Je slam, tu slam, mais Islam. Parce qu'on a augmenté les prières, parce que l'individualisme croît sans bon sens, islam. Il place des mots ici, puis des mots là, puis sans calife. Il fait puis qu'il jeûne. Même son père, il demandait, « Coudon, qu'est-ce que tu fais, toi? » J'ai peur que tu t'essouffes, me dérange pas avec tes maudits Mohamedités dessus, mais islam. Parce que plein de gens sont dans chiite, puis ils trouvent qu'il faudrait qu'on s'unite. Fait qu'ils travaillent sur une écriture qui parle plutôt que sur une écriture bancaire. Fidèle à sa voix, le poète djihad doré ce qu'il fait. Il ne carbure qu'à ça. Il n'a Dieu qu'à la composition de texte. Tout compte fait, c'est un prophète pour ça, mais islam. Pour que le monde se lève debout, pour qu'on se mette à aimer la poésie de genoux, fakir, ressemble un peu à un Fred Pellerin, mais islam. Parce que ça minarait pas de se plaindre, parce que sa maman omet d'écouter ses complaintes. Islam, Abraham's ouvert, ou si t'aïcha, ou si tu le trouves pourri, man. Islam comme un fou, parce que les pays des Jésus subventionnent les plus riches, parce qu'il y en a qui dorment à l'année longue dans des ramadans, parce que trop se font piler sur le Coran, parce qu'il sait qu'on a besoin des gyrophores dans la noirceur de nos consciences. Pour lui, c'est un arabe solu facilement communicable. Ça fait que la rime devient sa fibre comme un bon muezzin au son, mais islam, sans se dire nécessairement qu'il faut qu'il perce, mais bien parce que c'est un mosquée fondamentaliste. Islam, il livre ses états. Les gens le trouvent admirable. Falla bien que ça lui arrive. Qu'il réussisse à haditer les gens avec toutes sortes d'imagrébolutionnaires, mais islam. Parce que ça la lune, parce que ça la musulmentale, parce que trop de gens exagèrent et charia. Parce que sa manière à lui d'enfiler les gants de boxe sur l'arème. Parce qu'il y en a plein le casque de voir des politiciens qui se mousent l'image et islam. Sans égard aux islamophobes, mais parce que plein d'allergies aux arachides, puis parce qu'il est fier de ses textes Médine Québec. C'est comme la punchline, ça, il fallait que je le dise. Et lorsque la rime halaloup, il se cabat constamment, parfois il nage à contre-courant haram, tout en arrivant à Rome, tout en se moquant des gens qui disent qu'être tenace sert à rien. Avec sa plume, il énumus ses mots tête, puis il fait comme si un Abdel était venu pour l'interpeller. Et c'est pour ceci, et pour Salah, et pour toutes ces raisons que le gars, islam. Ça va être le single de ton prochain album? Excellent, man. Islam, allez checker ça, man. Des tracks. Non, sérieux, man. C'est vraiment. Tu vois que c'est vraiment travaillé, que c'est pas juste des mots en l'air. Karen, t'as quelque chose à dire? Donc moi j'avais une question. C'était vu que tu sors d'une tournée en Asie. Ce que je voulais savoir, c'était c'est quoi la différence que t'as pu remarquer dans le retour que l'accueil il peut te donner entre un public d'Asie ou un public d'ici? Genre est-ce qu'ils montent le love différemment? Est-ce qu'ils te montent plus? Est-ce que c'est vrai, je pense que il y a plus de peut-être même plus de love à l'extérieur parce que c'est comme frais, t'es comme nouveau, il y a comme quelque chose de mystérieux et puis tu sais il y a un proverbe qui dit qu'on n'est pas maître chez soi mais disons ben
je peux pas dire assez, mais de ce que j'ai eu comme expérience dans des shows, j'ai eu vraiment, vraiment du love. Les gens sont venus, ils ont vraiment apprécié le show. Et puis, j'ai eu du bon retour, mais ça m'arrive encore dans la région. Mais en même temps, peut-être que des fois, quand tu viens d'un endroit, les gens ils sont habitués. Mais quand tu arrives en tant qu'étranger avec quelque chose de totalement différent avec ce qu'ils sont habitués, vraiment, ils trippent, tu sais. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là définitivement, ouais. J'avais une autre question, c'était j'ai écouté ton titre justement, J'ai un fils, je l'ai vu en acoustique, c'est la seule manière que j'ai entendu, donc je sais pas s'il y a une autre version, mais en fait ça, moi j'ai un soft spot là pour les chansons en acoustique. Je me suis demandé, est-ce que t'as déjà pensé à travailler dessus, ou tu sais, faire comme une tape ou un album mais avec que des sons en acoustique, où tu slammerais dessus ou tu rappes dessus mais le beat sera acoustique? Mon prochain album, c'est pas mal toutes les chansons sont des vrais instruments, mais mélangé avec l'échantillonnage. Et mais mon drummer qui est Quetlove, en fait, Charlotte à Quetlove, fait sonner les drums comme quand même un vrai drum pad, tu vois. Puis moi pour moi c'est important que le drum sonne comme ça, mais t'as raison, et j'aime beaucoup l'acoustique en fait. Et le prochain album, ben, si tu vas l'écouter, il y a beaucoup de chansons avec un feel acoustique comme ça. Puis ça prête bien à mon style justement, donc c'est pour ça que j'aime ça. 22 avril, je fais un lancement. Je vous invite tous, 29 avril. Tout le monde dans le public, faites maximum de bruit. Venez à mon lancement, je vous invite. Yes! Ça se passe au Blue Ribord à Vinyl. Je vais avoir mon band avec moi. Et puis, je peux-tu vous donner dire une exclusivité aussi? Je vais faire l'ouverture de Oxmo Puccino le 11 juin au Metropolis. L'enfance, viens-tu des bas-fonds ou des quartiers neufs? Au fond, tous la même souffrance. Homme 5, voilà. Et je vous invite toutes aussi, donc c'est ça, voilà, les choses se passent. Faites un maximum de bruit pour Détrac! Vraiment nice. Détrac, tu peux rester, tu sais, t'es de la famille. Donc, org, est-ce qu'on y va? On va en beat? Pause musicale. Pause musicale? Aïe, aïe. Donc, on va avec quoi? Tu sais quoi? Un peu de track. Un petit medley de track sur le corner. End of the week, fier de vous présenter la 5e saison de la plus grande ligue d'improvisation rap au monde. Mettant en vedette Sunshine. They call me high, bring the man sick with the bang protein. Logico. J'suis big et sous top, Texas, my shimmers. Urban Logic. A picture of a man I never saw before. Elmé. Je me fais pas l'illusion, je vois que ton idée est faite. Mef. Ah non. Ah non. 5 jeux, 5 juges, un gagnant. Samedi 16 avril. Low Cash Low Production. Moi, spirituellement parlant, je suis tellement puissant, j'ai des pouvoirs magiques. J'ai des molécules cosmiques psychédéliques dans mon cerveau qui communiquent avec des poussières d'étoiles dans de l'eau fossilisée d'un volcan créant la première forme de vie sur Terre. Lucas, une cytobactérie microscopique. Par la suite, c'est transformé en poisson, en lézard et en mammifère, et également en moi. Grégory Charles. Grégory Charles, 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 Grégory Charles. On est là, mon gars, chill-toi, Big Pocket de Nazareth et Québec de la légende. On te spotte un sapoude, nous on l'a talking de bande. Yeah, boy. Faites du bruit pour Pocket! On vient d'entendre la chanson Grégory Charles, une de mes chansons préférées des gars. En fait, ils ont plein de gros hits, dont Suapoud, mais elle est moins connue. Puis personnellement, man, je vais être franc, là, je la trouve vraiment, vraiment deep, man. C'est comme, c'est du real lyricist, no joke. So, man, on est avec lui. Peut-être un petit beat d'introduction, mon cachemot. Hey, en passant, là, juste que vous sachiez, là, mon verse que j'ai fait dans Grégory Charles, là, c'est un freestyle. Rien d'écrit, je les spit comme ça sur le mic, boom. On est là, mon gars. Yo! Monkey est la compétition. Sérieusement, j'arrive en force, Joe la légende, sa bibi des grosses, t'entends? On est là, mon gars. Rituel sacrificiel, je suis le fils du soleil. Plus jamais on t'inquiétera pour de l'oseille. Tu kiffes mon pollen, il est récolté par des abeilles qui prennent leur envol, direction Marseille.
Alors, ils sont depuis la dernière collaboration, le duo de l'or dans le milieu du hip-hop québécois. Le premier et le fier représentant du groupe, les Anticipateurs, qui ont secoué la scène comme un kilo de poudre sur la tête. Il est le Flavor Flav du groupe, le côté givré du mini wheat, le seul linguiste qui rock le fièrement le swag de Sorel, Pickpocket! Le second est dehors en train de fumer du couche. Il est définitivement le monarque du rap-jeu. Il traduit pratiquement tout ce qui sort de Queens et le fait en viralité. De l'hydroponique au biologique, il est présentement avec nous et avec son médaillon. Faites du bruit pour Roy Nock qui est dehors! Le roi est chaud, le roi est exclusif. Et est d'une rareté subliminale, tu vois ce que je veux dire? Les bling-bling, ça appartient aux nègres. Ça sort de nos terres, Sierra Leone et de l'Angola. Hey, maintenant qu'on est dans le futur, là, plus besoin de sortir, rouler ton joint. Moi, j'ai mes cigarettes que je pogne de Mook Life. Il y a déjà le shatter dedans. Ça sent rien. Tu peux le fumer dans l'avion comme on avait fait la petite capsule sur YouTube. Les joints électroniques! C'est ça le futur maintenant. Là. Fini là, de pousser des plans. Non. Tu t'en vas voir ton patiné, il te donne une cigarette du futur magique, man, tu fumes ça, man, tu deviens high as fuck. Yeah, boy. But yo, t'es sérieux, Mook Life fait des vapes? Ouais, big up Mook Life, big up Mook Life. Yo, Pickpocket, je crois qu'il y a un spectacle qui s'en vient bien. Non, avant de parler du spectacle, on va parler du vidéo, you know, qui vient de sortir. Sa bibi des grosses. Les tonnes et les kilos, on se déplace avec les gros camions des rallyes blindés. Artillerie lourde, comme Israël, le roi Enoch Machiavel. Donne-nous, explique-nous c'est quoi l'expression derrière sa bibi des grosses. Ben regarde, je vais vous expliquer. Allez, assisez-vous. Roi Enoch est là, mon gars. Donc, fait que Bibi des grosses, en fait, ce que ça veut dire, c'est que Bibi pour Bicrave, des grosses, c'est des kilos, et fais ton argent dans le ghetto, t'entends? Roy Enoch est dans la place, frère. Yeah, boy! Yeah. Si. On Bibi des grosses, 24 heures sur 24. La BMW à 100 000 est devant la porte, et la Cura TL Elite également. Eh oui, je précise, merci. Yes. OK. Combien de temps ça vous a pris pour venir avec ce concept-là, Bibi des grosses? D'où vient l'inspiration derrière cette chanson-là? L'inspiration vient de ROS. C'est lui qui avait commencé à spit sur le beat, sur un beat fait par Sucra, le nouveau producer que Roy Enoch a signé sur Gangster Gentleman. Et par la suite, Roy Enoch m'a fait écouter le tube. J'ai dit, ah, faut absolument qu'on pose là-dessus, faut qu'on fasse un gros vidéo. Puis après ça, c'est là que Roy Enoch, il a spit le feu. Exactement. Et toi, Roy, pourquoi t'as accepté d'embarquer sur une track avec Pickpocket? Premièrement, c'est l'oseille. Et deuxièmement, c'est ça fait longtemps qu'il me demande ça et je l'ai dit, je viens pas dans un de tes clips. On va faire un vrai truc lorsque tu es prêt et que t'as Zay. Il est venu me voir et j'ai flingué le truc. On a brutalisé le microphone. Là, il y a un spectacle qui s'en vient bientôt. Est-ce que tu peux en parler un peu? Yeah, ça, c'est du gros wax médical, man. Sérieusement, c'est gros shit, frère. Tu sais que c'est le futur. Tu fais juste fumer, il n'y a même pas de bouton. Pis t'as même pas besoin de mettre de batterie, là. C'est jetable. C'est vraiment, là, le patin, il arrive, il donne ta cigarette, tu fumes partout dans l'autobus, man, devant la police, man, pis ça sent rien. T'as les yeux rouges, ça, c'est sûr. Mais sinon, par rapport au spectacle, on commence le spectacle, ça va être samedi 4 juin au Newspeak. On va faire le show de 10h jusqu'à 11h30. Ça va être un gros show avec Joe La Légende, Roy Enoch et également en première partie à ROS. Donc, sincèrement, man, les choses se passent. Montréal est là. Et le roi, on dirait que ça fait quelque temps, on t'a pas entendu, on t'a pas vu, tu reviens en force avec Pic. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi bientôt, là? Pour le moment, je suis en réparation dans la cave. J'ai acheté une maison neuve et je reconstruis le studio à la cave. Donc, je prépare
de mes mains directement. Je fais le plâtre, je fais tout. La peinture, tu vois ce que je veux dire, je mets le cœur à fond, et la petite fille, elle grandit, et c'est elle qui a changé tout, ouais, c'est ça, exactement. J'ai pris le truc au sérieux pour qu'elle puisse avoir un futur, tu vois ce que je veux dire. Je pense que tu viens de dire quelque chose de vraiment personnel que les gens ils savent pas, puis c'est quelque chose que tu viens de dire. Tu viens de dire quelque chose de ta vie personnelle, genre ta fille a vraiment changé les choses pour toi. Donc est-ce que quoi, le roi, est-ce que le roi va se calmer un peu ou la musique va toujours de pire en pire. J'avance en reculant, donc. Tu vois ce que je veux dire? Lorsqu'il s'agit de rap, j'aime le rap qui flingue. Donc ça, je reste pur pour les fanatiques. Mais qu'est-ce que la petite fille, ça apporte? Ça apporte de la douceur à ton style en général. Tu vois ce que je veux dire? Tu es plus respectueux et raffiné grâce à la petite. Et moi, j'avais la frousse, car je suis un mec d'homme, de petit gars, tu vois. Donc, j'avais très, très, très peur. Et lorsqu'on m'a dit que c'était une petite fille, j'avais la frousse, mais là, je suis content maximum de fou. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à l'âge de 12 ans, je relaxe. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, premièrement, question, Roi Enoch, je sais même pas comment t'appeler. Je t'appelle quoi? Roi, votre majesté, votre royalties? comment tu préfères qu'on t'appelle? Juste Roi? OK. Donc, en fait, Roi, merci de... On est content qu'on ait eu un genre de scoop. D'un autre côté, tu sais, en fait, on a vu l'autre côté de la médaille derrière le personnage. Puis ça m'amène à un extrait. En fait, j'aimerais, si ça te dérange pas, qu'on écoute un extrait d'une entrevue que tu as donnée en France qui m'a vraiment épaté. Honnêtement, tu sais, moi, je te connais seulement de ton image Internet. Puis ce que tu es allé dire sur le plateau de « Tu nous rappelleras, je pourrais pas te dire l'émission », ça m'a honnêtement épaté, comme j'ai pris une nouvelle considération à votre égard, votre majesté. J'aimerais que tout le monde nous l'écoute. Alors, la particularité du Roi Enoch, c'est qu'il a mis en avant des expressions américaines, comme par exemple bling bling, qui s'est transformé en brille brille. Remplacer le L par un R? Non, c'est remplacer la confiance en soi par ce que je fais, car lorsque je rappe, au lieu de dire nigger ou bitch, je vais dire pute. Je vais dire les vraies choses. Mais beaucoup de ces rappeurs font du rap en mettant des anglicismes et ça fait que ils baissent devant l'estime des Américains car ils pensent que tu es sur leur truc et que tu veux faire leur truc mais que tu es français. Alors, fais ton truc en français, tu vois ce que je veux dire? Je vois parfaitement, je suis totalement d'accord. Honnêtement, Roi, je trouve que avec cet extrait-là qu'on vient d'entendre, tu vois, le personnage humoristique vient d'être un peu remisé aux oubliettes, puis d'après moi, t'as drop du vrai knowledge. Mais c'est quand même un peu ironique, tu sais, que Roi Enoch soit le défenseur de la langue française. Ma question, j'y viens, qu'est-ce que Loco Locas va en penser? Salutations à Loco Locas qui font leur truc. Moi, je naïs sur aucun mec. Ils font leur truc. Ils bicravent, tu vois. Ils bibi aussi. Donc, salutations. Mais sur cette entrevue, j'avais la frousse car ils ont emmené un spécialiste de la langue française pour m'analyser. Et moi, j'étais pas prêt. Je venais de fumer une zeb de ouf. Ils m'ont mis de la bouffe bio. Vraiment, ils m'ont traité super bien. C'était le luxe belge, tu vois. Donc, moi, j'étais sur le haut à fond et je ne m'attendais pas de voir ce genre de mec qui est pointu que je dis, mec, il va me détruire, tu vois. Parce que le mec était tellement, oui. Moi, j'étais nerveux à fond, mais j'ai exprimé ce que je voulais dire dans une façon la plus simple que je pouvais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Je te remercie, frère. Je veux rentrer sur l'instru. Sérieux, l'instru sur votre nouveau single, Bibi des Grosses, il est vraiment lourd. Et j'aimerais que tu me parles un peu, j'aimerais que Socrate nous parle un peu de l'inspiration derrière le beat. Qu'est-ce que tu utilises comme instrument pour créer ces beats-là?
j'utilise les logiciels classiques de Logic Pro. Puis je m'influence beaucoup du underground new-yorkais des années 90. Les anciens Roy Enoch, Junior Spark Producteur, RZA. Oh, au moins 7 ans, je te dirais. Sérieusement, 4 ans, 3 ans. Voilà. Comment t'as rencontré le Roy? Moi, je voulais faire mixer puis masteriser un projet que j'étais en train de faire. Puis lui, comme vous savez, lui, c'est un peu sa profession, donc je l'ai appelé pour essayer d'avoir un produit qui soit de qualité. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on dit pas souvent, mais Roy Enoch, c'est un ingénieur de son. Donc, t'as un studio, tout ça, parle-nous-en un peu. Avant, j'aimerais préciser que j'ai rencontré Sokra à travers des relations et il m'a contacté pour que je fasse le mixage et la masterisation de son album, quoi, tu vois. Mais c'est avec des connexions avec mon négro ROS et RD qui l'ont apporté. Et dès que j'ai rencontré le jeune et qu'il m'a fait jouer ses sons, je savais qu'il était exclusif, chaud, et qu'il arrivait avec une merde qui est influencée par ce que je fais dans un maximum, mais qu'il flinguait bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai vu que c'était un vrai blanc qui faisait des vraies choses. Salutations en classe! Vrai blanc font vraies choses. Secret dans la place, Roy Enoch, Joe la légende, et bientôt ROS arrive dans quelques minutes. Yeah boy! En fait, ce matin, j'ai écouté justement sa Bibi des grosses. Et le premier truc qui m'est venu en écoutant ça, c'est que je me suis dit que vous deux, ça passe super bien. Et est-ce que vous avez déjà pensé à faire genre une tape en commun ou un truc comme ça? Sinon, bah, c'est à faire. Oui, on a plusieurs projets qui arrivent bientôt avec le Capitaine Obscur, mon protégé. Donc vraiment, ça arrive bientôt en force. Il y a ROS, bien sûr, qui va faire partie du projet. Roy Enoch, le tout produit par Sokra. Donc l'équipe est là, mon gars. On est bel et bien présent dans le rap game. Sur la production, il y a Junior, le super producteur. Il y a moi-même qui va faire des sons. Il y a Sokra. Donc, c'est Gangster et Gentleman qui va exécuter la production du projet. Et Joe, la légende, arrive sur un autre angle. Il arrive sur un angle sérieux. Gangster et Gentleman. Dont il va rester comme les Nas et les Mobb Deep dans ce rap. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'amène vers un rap qui est plus puriste. Tu vois ce que je veux dire? Une appellation plus belge. Moi, justement, le Roy, je voulais t'en parler. Moi, je viens de Belgique, puis il y a 2 ans environ, on s'est ramené Godfather Part 3 là-bas. So, directement, quand je lui ai dit que j'habitais au Québec, il m'a dit « Yo, you know Roy Enoch !» Puis je dis « Yo, yo, QBC Connection, you know ?» So, c'est ça, je veux faire un gros shout-out à Godfather Part 3, à mon équipe de Belgique aussi. Puis je voulais voir comment ça s'est passé, toi, quand t'as été dans le Queens. Puis je sais que le featuring que t'as fait avec lui, est-ce que tu l'as fait là-bas? Je crois que lui, il peut pas venir ici, c'est ça? Ouais. Parce que moi, il me disait comme qu'il, là, pour le moment, c'était comme il pouvait pas venir au Canada. C'est ça, je veux savoir comment ça s'est passé, votre rencontre, puis les connexions, tu sais bien. Moi, je suis descendu dans Queensbridge en 2008 et j'ai approché Godfather sur un projet qui s'appelle Calico Music, qui est inspiré de mon vécu dans le Queens. Mais j'ai pris du temps à sortir l'album. Donc là, j'ai changé le tournant. C'est moi, Godfather Part 3 et Big Twins. On a Big Noid aussi qui est sur l'album. Tu vois ce que je veux dire? On a Nelly et on a une surprise de ouf aussi. Mais l'album est constamment... chaque titre sont moi, Godfather Part 3, Big Twin et plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais à chaque tube, donc... On a créé un groupe, tu vois ce que je veux dire, et là je suis sur la reconstruction de mon studio pour vraiment que je mette la patte au mixage, et j'ai commandé des équalizers à 30 000 balles juste pour vraiment pour raffiner le produit, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, si. Roy Enoch, plusieurs projets arrivent en force du Roy Enoch qui vont bientôt sortir comme Calico et etc. quoi. Et moi également, je vais sortir un autre album solo Pickpocket qui va s'appeler On est là, mon gars,
qui arrive bientôt, et les Anticipateurs, nouvel album, La Coupe. Donc, 2016, on va juste bombarder. Il va sortir, ouais, La Coupe, la grosse coupe, la poudre, ça poudre. Anticipateurs, 2 millions de views. Des millions de views sur Internet, pickpocket. Eh oui, frère, les vrais poètes, on est là, mon gars, avec Roy Knock. Moi, j'ai une dernière question. Vous avez pas mal voyagé pour la musique et tout. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le groupie love est réel? Ou est-ce que vous êtes parti? Est-ce que les filles sont vraiment, vraiment, vraiment chaudes? Je peux vous dire quelque chose. Quand j'ai fait la tournée qu'Anticipateurs en Europe, on avait des groupies chaque soir, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, que ce soit à Nantes, que ce soit dans n'importe quelle ville. On a même été à Amsterdam faire un spectacle avec Dave Lux. Les femmes étaient belles et bien présentes. Les demoiselles se mettent à genoux devant nos bijoux de famille. N'oublie pas que leurs yeux brillent! Leurs yeux brillent autant que les diamants du roi Enoch, tu m'entends? Également. Et je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais également avec Tommy Cruise, man, à bord du Holy Ship, man, dans les Bahamas, man, à Miami, sincèrement, on a pénétré les plus belles femmes possibles d'exister sur cette planète Terre. Tu comprends ce que je veux dire? Et notre médaillon touchait bel et bien à notre pénis. Eh oui! Et elles ont joui le jour comme la nuit à Miami. On est là, mon gars, avec Tommy. Yeah, boy. Shout-out à Tommy Cruise également. Mon pas douceur préféré. Yeah, boy. Yeah, yeah. Justement, tu as parlé du médaillon. Roy, on a eu beaucoup de questions du public concernant ton médaillon. Es-tu ouvert à les répondre en rafale? Alors, première question, on va faire ça rapidement. De Julie de Lévis, elle veut savoir comment l'on mesure le médaillon en question. C'est une chaîne que j'avais faite faire à New York par Jacob the Jeweler. C'était 80 pouces et le médaillon était couvert de baguettes, de princess cut. Et il y avait quoi encore? Il y avait toutes les sortes de diamants sur le pendentif, tu vois ce que je veux dire? Donc, il était tellement long qu'il touchait à mon pénis, donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est qu'une expression, tu vois ce que je veux dire? Hey, j'ai pris ça de Prodigy, de Mobb Deep, je vais rester vrai. My chain ain't down on my dick, my piece break glass table. Moi, je suis inspiré du Queensbridge, car tu vois, j'ai fait mon chemin là, donc pendant 10 ans, j'ai fait mon chemin dans le Queens, tu vois ce que je veux dire? R.O.S. dans la maison. Si t'as le porte une forte odeur, forte honneur en gras, on sera frappe comme un fort honneur. Ah, au donneur, appelez le coroner, calme comme une corona. Une question rapide pour Pic, Pic des Anticipateurs, mais en fait, c'est deux questions rapides. Premièrement, il a-tu entendu sa toune, Richard, la toune que vous avez faite à son... Il a-tu entendu? Qu'est-ce qu'il en pense? Real talk! Mon boy, Steronomy, le meilleur artiste graffiteur de Montréal, sincèrement, c'est un pro... Steronomy, c'est le meilleur graffeur au Canada, qui a fait les plus grandes murales. Il est en train de faire une murale dans le centre-ville de Montréal sur la mission Old Bury, le gros graffiti que tu vois avec le wagon de métro et tout ça. Et par la suite, il a vu Grégory Charles. Pendant qu'il a vu Grégory Charles, il était en train de mettre sa chanson dans sa voiture, de la chanson Grégory Charles, à fond, là, que t'entendais vraiment à fond dans ses speakers avec le subwoofer partout. Par la suite, Grégory Charles, il a dit, c'est quoi, c'est moi, Grégory Charles? Il a dit, ben oui, tu l'as entendu? Il a flippé, quoi, comme dirait la France. Il a pété un câble, quoi. Grégory Charles a littéralement pété un câble, mon frère. Nice. Eh oui! Son Grégory Charles a bel et bien entendu la chanson, man. Yeah, boy. C'est vrai. Moi, tu vois, j'étais pas fan de lui. Je voulais lui casser sa gueule à ce petit pédé de Grégory Charles de merde. Mais avec le temps, j'ai appris à voir qu'il a de l'oseille et j'ai respecté son bicrave, tu vois. Je respecte son bibi, tu vois ce que je veux dire? Car il zaye à fond. Mais avant, je voulais lui casser sa gueule de merde, sa petite gueule de pédarasse, lui, ce Grégory Charles. Oui, avant. Mais là, aujourd'hui, je suis fanatique. Mais également, c'est sûr, c'est différent, les vrais Lascars de Saint-Denis, banlieue nord de Paris, 9-3, que les débrouillards! En parlant de trou de cul, que j'aimerais bien foutre une claque, qu'est-ce que t'as pensé de Norman Brathwaite et ses commentaires? Un bon trou de cul qui mérite un round kick d'en face. Pas nécessairement, car... Brathwaite, s'il serait aux États-Unis, ce qu'il dit serait normal. Car aux États-Unis, les négros n'ont rien à foutre des autres négros. Si t'as pas de l'oseille, t'as pas des diamants, des BM, des maisons, des trucs, on traite de nègre à temps plein. Même les Chinois, la police, on appelle la police nègre. Fucking police nègre, yo, police nègre came, sonny, bag my drugs.
La police, les Chinois, tout le monde, on appelle tout nègre. On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre de aucun nègre. C'est l'oseille, t'as ton flingue, tu fais des vrais trucs, t'es respecté. Sinon, les gens se foutent de ta gueule et te piétinent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui qui dit, moi, je connais pas la communauté noire. Tu vois ce que je veux dire? Il ne supporte pas. Les Haïtiens, la communauté ne me supporte pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le genre de musique que je fais, pour eux, c'est comme si je suis même pas... Les Haïtiens ne me supportent pas ici. Je parle les gens de la communauté. Ouais, les Haïtiens, les taxis, leurs trucs de merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je sens ce qu'il veut dire lorsqu'il dit... Moi, je connais pas les associations de nègres ici, tout ça. Ils sont faibles ici. Ils ont pas d'oseille. Il n'y a pas d'oseille. Il n'y a pas d'oseille. Tu racontes du caca, de la barbe à papa à temps plein. Donc, je comprends ce qu'il veut dire dans ce sens-là. Mais ça fait longtemps qu'il est vendu. Mais est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix dans ce Québec de merde où ce que le noir ne touche pas à l'oseille? Tu vois ce que je veux dire? Et est limité dans des petites équipes et des petites, des petites boîtes et des. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut presque être homosexuel à temps plein ici pour manger une miette. Un de mes amis, quand j'étais jeune à l'école, il avait Ken Elisabeth Brathwaite, mais no hate. C'est juste qu'il fallait le mentionner, quoi. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour R.O.S. R.O.S. qui débute la track, baby, yo. R.O.S., moi, je vais dire, je crois que je t'avais jamais entendu avant, mais de la façon que tu poses sur le beat, on dirait que tu vis ce que tu rappes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? L'inspiration vient de la vie de tous les jours. Quand je me pose pour écrire, c'est la vie de tous les jours qui m'inspire. C'est ça que j'écrase sur la feuille. Donc oui, c'est bien ce que l'on vit. C'est bien ce que l'on vit, tu vois. J'ai rencontré le roi à travers des amis à moi, puis à travers un poteau RD, ouais, qui m'a présenté le roi une soirée. Puis après, on a connecté, on a fumé des grains. Il m'a aidé à monter mon propre studio chez moi. Donc c'est comme ça que je commence à pousser mes propres trucs. Puis depuis ce temps-là, ça fait juste grossir, puis ça se passe. Grosse salutation à RD et à Alvarez, car c'est grâce à eux que le roi a connecté avec Socra et ROS. Moi, je reste vrai à 100%. Je flingue, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et il y a des gens qui ne se souviennent pas, tu vois ce que je veux dire, qui a vraiment fait les relations. Moi, je dis les vraies choses. Même si ils sont pas signés chez GEG comme Socra et ROS, salutation à Alvarez et RD. ROS, je le connais depuis que je suis jeune, depuis qu'on avait 15 ans, back in the day. J'ai grandi à Saint-Joseph-de-Sorel, back then, avec Bobo, Trenel Monac, toutes les vrais gangsters, Boulet, tout ça. Par la suite, quand je déménageais à Montréal, j'avais rencontré ROS quand on était jeune. On était en train de Bibi des Grosses, la montagne du Mont-Royal, back in the day. Ça a toujours été comme mon petit frère, sincèrement, man. So, gros respect à ROS, man. Yeah, boy. Si, j'ai commencé, moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai écouté du rap, j'ai écouté presque que du rap. Comme plusieurs personnes ont écouté plusieurs sortes de musique, mais moi, c'est toujours le rap qui m'a toujours pris, tu vois. Puis tout ce qui est Queensbridge, tout ce qui est Harlem, tout ce qui est New York m'a toujours accroché. Fait que j'ai toujours écouté ça, puis à un moment donné, c'est juste sorti comme ça, je me suis mis à freestyle avec les amis. Les amis, oh, tu freestyle, what? Tous mes amis rappaient déjà, moi, je rappais même pas, je fais juste freestyle comme ça. Ils m'ont dit, oh, tu freestyle, viens poser avec nous. J'ai commencé à poser avec les amis du quartier, les gars de CDN Crew, les gars de ELP Crew, les gars de Côte des Neiges avec qui j'ai grandi, commencé à faire du rap. Après ça, quand j'ai rencontré Roy Enoch, c'est devenu encore plus sérieux, là, je me suis posé en voyant la grosse image, qu'est-ce que je pouvais faire. Avec le talent que j'ai réalisé qu'est-ce que je peux faire. En plus, les connexions, c'est comme ça, fait tellement naturellement. Comme je t'expliquais, moi, j'étais toujours dans le Queens, dans le New York. Alors, quand j'ai rencontré le roi, c'était comme naturel. Pas qu'on se parlait, qu'on parle de musique, ça se fait tout seul. Donc, c'est juste, ça donne plus le goût de grossir. Donc, c'est pas mal comme ça. Ouais. Ben, rapidement, parce qu'en fait, il reste déjà 5 minutes seulement. Le temps passe vite, surtout quand une heure de décalage, qu'on se fait manger notre contenu. En fait, ça me trouvait redondant, roi, mais tu sais, on a beaucoup parlé du fait que tu sais la langue française, en fait, tu l'endosses plus qu'on pourrait penser. Qu'est-ce que tu penses des groupes et le franglais? Je vais pas nommer de nom parce que de toute façon, on sait déjà ça, mais je serais vraiment curieux. Je me doute un peu de ce que tu vas dire, mais je voudrais te l'entendre dire, s'il vous plaît. Le franglais nous affaiblit. C'est la vérité, ce que je vous dis.
car déjà, on a un accent qui est mauvais. Et l'anglais, il y a des professionnels qui se font fouetter à chaque jour par des corporations et qui assurent un maximum. Jamais tu touches à Chris Brown ou à rien de ces nègres. Ces Américains sont des extraterrestres dans leur truc, tellement qu'ils sont forts. Donc nous, nous sommes francophones. Et c'est l'exclusivité qu'on a, d'être francophone. Donc, moi, je fais une voyouserie de haut de gamme dans un niveau élitiste. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, dans Bibi des grosses, c'est pour les gens qui veulent déterrer la tête de Napoléon et boire du sang dans le crâne avec le père de George Bush. Cette question-là est plus pour le roi. Quand le roi est sorti en force, il a commencé à attaquer plusieurs grosses têtes du hip-hop québécois. Et les gens, quand ils regardaient ça sur Internet, les gens parlaient que de ça. Est-ce que tu avais vraiment une haine envers ces rappeurs-là québécois que tu mentionnais? Est-ce que c'était une vraie haine ou tu faisais ça juste pour les piquer, pour avoir une réaction? Premièrement, je suis arrivé de Queens en 99-2000. J'ai analysé. Les gens prennent l'autobus, ils vendent des disques d'or, ils vendent des 24 000, des ci, des ça. Ils n'ont pas de diamants, ils n'ont que du toc. Qu'ils achètent ces City Stars, you know what I'm saying? Des faux bijoux qu'ils achètent, ces City Stars. Et j'ai constaté vite qu'il n'y avait pas d'oseille dans leur poche. Mais ils essayent de vendre aux jeunes le rêve. Donc, c'est pour ça que j'ai attaqué. Je voulais que les gens comprennent que c'est un métier. Et ça prend des connaissances, ça prend du sérieux, de l'oseille. Je m'en fous que tu vends de la zébé, de la cocaïne, que c'est le label qui te donne l'oseille. Il faut que les choses se passent d'une façon que c'est sérieux. Moi, je mets des trucs que ça fait 15 ans que je mets, ils ne sont pas encore orange ou vert, parce que c'est du 14 carats avec 250 carats de diamants dans chaque chaîne, qui font un total de 75 000 $ pour chaque câble. J'en ai rien à foutre. Si ça, c'est pas dans mon cou, je sens que je suis un petit pédé qui rappe de merde. Parce que le rap américain nous construit de toute façon, et il faut, car c'est la preuve que ton truc marche. Je m'en fous que tu sors pas d'album jamais, mais il faut que ton truc se passe ou que les gens voient que t'as une maison, t'as des Rolex, t'as des trucs et ça se passe. Dès que ça se passe, on est tous au même niveau. On a réussi. Ça ne dérange pas que t'es une danseuse, tu vends de l'héroïne, il faut que tu fais ton truc et sérieusement et aussi avec des valeurs qui doivent maintenir ça pour les enfants, car tout ce qu'on fait, c'est pour les enfants. Tu vois ce que j'essaie de dire? C'est les enfants que nous étions qui ont vu le Wu-Tang Clan et le Mobb Deep qui nous a inspirés et on a arrêté de vendre de la drogue en écoutant le Wu-Tang qui était supposément qui nous faisait voir des images de drogue et de Mercedes et tout. Mais ça nous a amené à faire des ingénieurs de son, des gens dans le cinéma, tu vois ce que je veux dire? Dans toutes sortes de métiers, dans le cinéma ou toutes sortes de trucs de merde qui s'accrochent directement au hip-hop. Donc, le fait de la différence et le fait que je fais une voyouserie gangster, c'est la même chose que de la musique douce ou du... Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils essaient de faire croire que c'est de la merde. Mais l'art, c'est l'art. Il faut faire l'art et l'exprimer comme tu le sens. Tu vois ce que je veux dire? Si, si. Donc, on va terminer l'entrevue. On va faire un dernier tour de table. Il y a un show qui s'en vient, l'album qui s'en vient aussi. Il y a beaucoup de gros projets. On va faire un tour de table. Si vous avez quelque chose à plugger, les gars, c'est le temps, man. Les plusieurs projets qui arrivent, le nouvel album Pickpocket qu'on va appeler On est là, mon gars. Je vais le sortir bientôt avec Capitaine Obscure, Tom Danks, avec les Anticipateurs pour les productions. Et également Tommy Cruise qui a beaucoup participé à l'album. Par la suite, avec les Anticipateurs, en 2016, on va sortir 3 albums consécutifs, La Coupe, donc en 3 volumes.
avec plusieurs productions américaines comme Scott Storch, Lex Luger, Loud Lord, tous les plus gros artistes, les plus gros producteurs au monde, PNL, tous les plus gros artistes du monde, on arrive en force avec plein de vidéos également. En tout cas, on va tout détruire le game. Également, plein d'autres projets qui arrivent avec Roy Enoch. Et je passe le mic au Roy. Le show, samedi 4 juin, au Newspeak, Roy Enoch Pickpocket avec ROS, Joe la Légende. Ça va être un truc de ouf. Je vous incite à tous venir nous voir. Ça va partir de 10h le soir jusqu'à environ 11h30 ou minuit. Venez en grand nombre. Et merci à tous. Facebook, ça va être affiché partout. Facebook, les Anticipateurs, Pickpocket, Instagram, partout sur les réseaux sociaux, vous allez en entendre parler. Et maintenant, Roy Enoch va vous parler de ses projets Calico. Samedi le 4 juin, ça se passe. On est en concert, on va flinguer, venez vous amuser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, j'annonce pas de date et de trucs car ça fait longtemps que les fanatiques ils patientent. Tu vois ce que je veux dire? Et je marine. Donc, j'aime pas les décevoir, mais je travaille fort. Tu vois ce que je veux dire? Et beaucoup de surprises, beaucoup de bombes vont sauter. Encore plus que sur la Belgique, ça va sauter avec le roi. La musique, ma musique va sauter graduellement. Hein? Ça se passe le 4 juin, ça se passe. Des salutations à ROS, mon négro qui fait le R&B en français et maintenant il fait le truc en bilingue qui rage. Oui, vous regardez Rage sur le net. Oh, Rage, il arrive lourd avec du R&B de fou de ta mère. Fou de ta mère. Puis ROS, vous pouvez aller voir sur Facebook ROS officiel, Rose officiel, pour voir mes anciens sons que j'ai fait et tout. Ça, c'est des trucs anciens. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de nouveaux trucs. Mais les meilleurs arrivent, évidemment, comme il dit, les meilleurs arrivent. Beaucoup de choses sont en production. En passant, je voulais mentionner que Bibi Desgros, c'est numéro 1 au sommet du palmarès hip-hop québécois, HHQC, Bibi Desgros, 57 000 views, numéro 1. C'est du très lourd, là, sincèrement. Là. Sérieux, on est fiers, man. Sérieusement, les gens ne savent pas s'ils veulent être des femmes ou des garçons, s'habillent chaque jour avec des trucs de femmes. Qu'est-ce qui se putain de passe dans ce rap de merde? Nous, on ramène cette fraîcheur de se sentir bien frais et viril pour faire... Pour qu'on mette des femmes, qu'on couche avec des femmes et qu'on fasse des gosses. Tu vois ce que je veux dire? Si, si! Roy Enoch! Salutations, gangster gentlemen! Are you ready?